On va dire que comme ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. Ah. Touché deux fois, mais pas. Hop, achevé. Merde, il y a du monde derrière. Pas d'où ils sortent, les gars. Il y a du monde par là aussi. Il y avait du monde. Petit char. Tant que j'en profite, hein, j'ai une caisse d'approvisionnement. On tire pas dessus, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il va réussir à lui couper la route? Ça m'étonnerait, mais. Attention! Oh mince! Je pensais pas que ça allait tirer. C'est-à-dire que peut-être que. Toc, toc. Oh, il s'est fait détruire. Super! Allez, on va lui donner un coup de clé. Hop, roule ma poule. Ça sent le clean rapide. Il va leur rester B. Alors, ce ma souris, il y a cette batterie, je vais la débrancher. Ah. Oh là. On est reparti. C'est pas mal, chef de troupe, tant mieux. Oh, je trouve que je deviens bon avec cette arme. Pareil qu'ils vont augmenter le nombre d'aéroports. Celui qu'on voit quasiment jamais, avec une seule grande ligne de décollage. Ce qui, à mon avis, est un bon plan à la fois pour avoir des avions dans des coins de la map où actuellement c'est très mal desservi, et à la fois pour bénéficier de changements de map. Parce que celle-là, c'est vrai qu'on la joue énormément en stage. Pour moi, c'est vraiment une carte d'entraînement, du mode entraînement. Parce que on la voit quasiment jamais en guerre. Il doit y en avoir vraiment très très peu. Donc, ils ont fait voter les joueurs pour savoir où est-ce qu'on devait l'ajouter. Parce qu'ils devraient l'ajouter, ils l'ont pas fait encore. Bien essayé, toi. J'ai plus de soins. Ouais. Oh, beau tir. Ils ont des avions, mais c'est des tout petits. Moi, je serais chaud pour aller taper B4 avec lui. Parce que si on prend pas B... si on prend pas E3, qu'on perd E4, à la limite, on va perdre la ligne B, la ligne D et la ligne C. Ce serait dommage de perdre la ligne A avant de la finir. Hop, ça tremble un peu. Mais ça passe. Alors, il y a du monde qui spawn en moto. Hop là. Quand je mets des petites têtes comme ça, je trouve que cette arme elle est vraiment forte pour mettre des têtes. Le viseur est pourtant franchement pas très différent de celui de la. Du Gewehr. De la Gewehr, je sais pas comment on dit. Du G43, on va dire. Alors moi je vais rester parce que pas très raisonnable. J'imagine. Ah GG. Si on prend B3, je vais foncer.
Ah, il y a un tchoupi en face. Le tchoupi. Ça a pas l'air très bon. Bonsoir. J'ai cru voir un fantassin ici. Je me suis peut-être trompé. Quand j'ai clairement vu une moto. Personne n'a vu. La moto, elle est près là. Ah, c'est pas la moto, c'est le fantassin. Le sniper d'ailleurs. On va voir ce qu'il a. Ah, c'est un truc max. Je sais pas quel badge mettre sur ce perso. Il y en a qui lui mettent prise ferme pour accentuer encore le côté ultra stable de la SVT. Ce que je trouve être une bonne idée. Et en même temps, dans certaines situations, je me dis si les ennemis me voient pas, c'est mieux. Et le troisième, donc avec le badge no cam lorsque je kill. Sachant qu'il y a plein de fois où je kill et les gens savent pas précisément où je suis. Et le troisième badge avec lequel j'hésite, celui que j'avais pendant très très longtemps, c'est capturer de véhicules rapides. Voiture, APC et tout. Mais après j'ai des grenades, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir un truc rapide pour la capture. Il y a beaucoup de monde. Je me sens pas en sécurité. J'ai pas du tout les fantassins. Là, peut-être qu'avec un... Non, j'ai rien dit. Je m'en sors très bien avec cette arme. Avec une MG34, je pense que j'aurais fait un meilleur boulot. Ah, je m'en sors très bien et maintenant je touche plus. Alors, j'ai vu du monde par là. Y a plus le sniper par terre. Quand je vise pas la tête, je mets des têtes. Quand je vise la tête, ça donne un résultat moins satisfaisant. Pas bien grave. Là, par contre, j'ai complètement nettoyé le point. Ah, il y a un type. Yes. Ah! Je l'avais bien vu. Je pouvais plus aller me cacher. C'est-à-dire que là, B4, on va avoir... B2, on va avoir des soucis. S'il y avait celui qui était dans le point qui m'attirait dessus ou pas loin. Celui qui m'a tué après. 15 kills de mort, mon dieu. Il y a un véhicule qui passe sur le côté. Est-ce qu'on va prendre B1 d'abord, peut-être? Yeah. Le snipe encore. Vous le voyez? Il y en a un là. Il est mort. Bon là, j'en ai profité. J'avais tout le loisir de réussir mon coup. Allez, on va prendre un petit coup de soin. Il a eu Delta Existence. Je sais pas à qui est cette voiture, je pense pas que ce soit la mienne. Bon, on va tracer. Les parties où je fais plus de têtes que de morts, généralement c'est des bonnes parties. On va espérer que ça se continue. Très prochainement, il y a la guerre des factions. J'étais moins bon là. En même temps, il est un peu caché. Il est mort, j'ai pas trop fait gaffe. Oh, c'était une mine ça, je sais pas pourquoi de temps en temps. Elles sont très inefficaces. Y avait un autre ou c'était le même? Ok.
Ah si, il y en avait un, définitivement un autre. C'est pas grave. Oh là, on va gagner, mais ultra vite. Ça sent la victoire. Après, ils ont des avions tout nuls qui volent. Ça aide clairement. Oh là 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 là. Eh ben, cette partie, messieurs, mesdames, spectateurs. 17 kills des 3 premiers. Sauf que moi, j'ai fait que 3 morts. Hein, un peu de sérieux, LTDF. 700, quasiment 800 de score. C'est-à-dire le double du score d'en face. 7000 trucs, 13 minutes, très raisonnable.